السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا الحريرة المغربية. وفاء، بالنسبة لك ما كرهتش تكون كنتي معايا ونديرها لك وتشربيها، ولكن كنتمنى انك ديريها وتتبعي الطريقة نيشان، وخصوصا عندك تزيدي الزيت. الحريرة ماشي طاجين، ما كنزيدوش فيها الزيت. بون، شنو كنحتاجو؟ كنحتاجو اولا كوكوط كبيرة، داكوغ، واخا تكون الحريره قليله، الحريره خصها تكون مرحه، ما تكونش في شي حاجه صغيره. اول حاجه خصنا الكرافس. الكرافس وديما كنقول لكم بانكم اختاروه يكون غليظ، داكوغ. خصنا القزبور، جوج بصلات، طرف ديال المكور، 5 ولا 6 مطيشه تيكونوا حمر وطايبين مزيان، الحمص مفزك. انا الحمص كنفزكو وكنديرو في الثلاجه باش كفل الفوق ما كنحتاجو كنجبدو. حك ديال المطيشه، هاد الحك المويان كنديرو النص ديالو، شويه ديال اللحم، الخرقوم، الكمون، البزار، الضماد البنه ديال السمن، ومن الاحسن تاخدوها بيو وما فيهاش المواد الحافظه، وبيان سور الملحه. انا كنستعمل في كلشي الملحه ديال الهيمالايا، من اللي ما كيديرهاش يدير الملحه العاديه، داكوغ. بالنسبه للناس العاديين اللي غادي يدوروا الحريره، غادي يدوروها ب4 معالق ديال الطحين وشويه ديال الشعريه الرقيقه. اما الناس اللي دايرين ريجيم ديال الكيتو، غادي يدوروها ب2 المعالق ديال الطحين الكامل ديال اللوز، وجوج معالق صغيورين ديال البسيليوم. D'accord. Je vais répéter en français parce qu'il y a des amis en France qui m'ont demandé aussi pour la soupe marocaine de la harira. Donc, bon, pour mes amis, la famille qui sont en France, qui m'ont demandé comment faire la soupe marocaine de la harira. Donc, voilà. Un bouquet de céleri, voilà. Coriandre. Un petit morceau. À peu près de 1/4 kg, 200 g, 230 de choux, 2 oignons, 5 belles tomates mûres et rouges, pois chiche trempé. Moi, je le trempe dans l'eau, après je le mets au frigo, comme ça donc, quand j'ai besoin, je prends pour plusieurs utilisations. Donc, un morceau de viande, de préférence là où il y a la graisse. Pour les ingrédients, donc c'est curcuma, cuillère à café, cumin, aussi cuillère à café, poivre, cuillère à café, cube de bouillon, goût, beurre rance, de préférence bio et sans additif, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et le sel, moi j'utilise toujours le sel de l'Himalaya, mais vous pouvez utiliser le sel qui vous convient. Donc pour apaiser la harira, ou bien pour, comment dit-on, pour la faire tourner, donc on a, pour les gens qui ne font pas le régime keto, les gens qui mangent normalement, donc c'est 4 cuillères de farine et un tout petit peu de vermicelle, d'accord. Et pour les gens qui font le régime keto, donc on tourne notre harira avec 2 cuillères de la farine d'amande complète et 2 petites cuillères de psyllium. Voilà. Et surtout, surtout, et ça spécialement à Wafa, il ne faut pas ajouter de l'huile dans le harira. Ce n'est pas un tagine. Le gras qu'on a, ça vient à partir de la viande, pas de l'huile. Merci. Je vais la couper et après on se revoit. À toutes. Bon. Donc on coupe finement. La céleri, voilà, avec coriandre en même temps. الرقيق، القزبور والكرافس، وبعد
بلا ما نوصيكم الا كتشوفوا يدي بانهم ديما فاش كنكون خدامه الماء كيكونوا بحال لا فازقين. شي فازقين لانني كنغسل يدي بالخل باش ما تكون حتى شي ريحه في الماكله، لان الصابون ولا اي حاجه كتدوز من الريحه ديالو في الماكله. دونك ملي كنغسل يدينا بالصابون من بعد كندوزوهم بالخل ولا الحامض وعاد تنبداو نخدم. اوكي دونك vous allez voir que mes mains il y a des gouttelettes, c'est pas de l'eau, c'est que je me lave les mains avec du citron ou bien du vinaigre. Comme ça, il n'y a pas d'odeur qui passe dans le voilà, dans ce qu'on est en train de cuisiner. On le met dans la cocotte et maintenant on va couper les choux en petits dés aussi. Voilà, on va couper le mkouwa aoutani, mkouwa tsriyourin, وهي الحريرة البنينة اللي كتجي زوينة هي اللي ملي كنكونو تنشربوها في الزلافة كيبان لنا الكور، كتبان لنا الشعرية، كيبان داكشي، ماشي كتجي داكشي كلشي مخلوط بحال السلطة، الحريرة بوحدها والسلطة بوحدها. Voilà, donc je ne vais pas mettre tout ce que j'avais prévu, je vais laisser un petit morceau parce que je vois que c'est assez. Donc je le mets ici aussi. Maintenant je prends l'oignon, je coupe et surtout l'oignon verte, c'est bien, c'est... Voilà, on ajoute les pois chiches. Là, comme vous voyez, la viande est un petit peu de gras. C'est ça qui va donner plus de goût. Et le lham il fait chouïa de chama. Ou chez Adrimat. On a quand même les cages bouffes de l'afto. Et j'ai hâte la deuxième le kibir. Kéji. Zouen. Hella le bachikab. Pour la viande, voilà, il y a un petit peu d'os, comme ça, certaines personnes, ils ont ce petit morceau dans leur bol, c'est comme un petit cadeau, ils vont aimer avoir le plus gros morceau dans leur bol.
الحريره يمكن نتعشاو بها، يمكن سورتو نفطرو بها لانها كتسخن سورتو في البيت. Pour le harira, ben, ça sera bien de la manger soit le soir, mais des fois même de la manger le matin pour le petit déjeuner. Bon voilà, on va ajouter de l'eau, à peu près 2 bols. كنخليو حتى تيرطب هذا باش غادي ندورو الحريره ديالنا. وكذلك التخليطه ديال الناس دالريجيم كيتو حتى هو كندير الماء حتى كيتغطى. كما قلنا 2 معالق ديال طحين اللوز والسيليوم، ونخليوه يفزك شويه عليه باش ندورو به في الاخر. Donc je répète, là on a mis de l'eau sur les 4 cuillères de farine et on le laisse ici. Et là on a jeté l'eau aussi sur la farine et la farine d'amande avec psyllium. Voilà, la farine là, et là, il y a le psyllium et la farine de... Donc à la fin, je vais faire je vais partager en deux. Une partie pour moi qui est en régime keto et l'autre partie pour les membres de ma famille qui ont un régime normal. Donc maintenant, on va enlever la peau de la tomate. Prêt au matège, hein. ماتيش غنحيدو لها القشرة رقيقة، عندكم تدخلو في اللحم فوالا، ونقطعوها طريفات ونحطوها في مولينكس. يمكن أوسي نطحنوها في طحانة اليد، مي أنا دابا معنديش طحانة في اليد، جو بخيفيغ نميكسيها سي بوكو ميو. كندير معاها شوية د الما قبل ما نطحنها. دونك أونكوب، on ajoute un petit peu d'eau avant de la mixer.
Normalement, on peut utiliser aussi la moulinette à main, mais puisque je ne l'ai pas, je préfère celle-là, c'est beaucoup mieux. Bon, tu remarques, tu as mis la moulinette, d'accord? Tu as mis la caisse de l'eau, ou tu as mis la matacha de l'eau, ou la cocotte de l'eau, il y a 4 têtes. Moi, je suis très bien, ça a très bien, il y a 4 têtes. Bon, voilà notre tomate bien coupée dans la moulinette. On ajoute un verre d'eau. Voilà, et voilà le concentré de tomate, à peu près la moitié. Vous pouvez ajouter plus, c'est pas un problème. Donc, voilà, et on fait tourner la machine. Elle est prête, on la met dans notre bol. Voilà, tout est prêt. On attend que notre cocotte soit bien et on va passer pour tourner le haricot. Donc voilà, on a le voilà qui commence à devenir un peu, voilà, ça c'est pour les gens qui ne font pas de régime, ça c'est pour les gens qui font le régime plutôt. Regardez le petit lion, ça fait vraiment épaissir le, c'est pour cela qu'ici on n'a que 2 cuillères de farine et ici on a 4, parce que le petit lion ça épaissit vite. Regardez, et bien sûr vermicelle, c'est pour les gens qui ne font pas de régime. Voilà. Après 1 heure à peu près, 1h50, 45 minutes, notre cocotte elle est prête. Voilà, on va l'ouvrir et vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire après. Donc il y a la cocotte Diana 4h09. On va le faire et on voilà, on va prendre un petit pois chiche pour goûter, c'est bon. Bon, maintenant on va ajouter les tomates. Voilà. On va allumer le feu. Voilà, et la remettre. Et le secret pour la soupe ou le harira, c'est de toujours tourner. Voilà, comme ça la tomate il va s'imprégner de reste. Regarde, ah, ça a l'air bon. Et si j'aurais pu partager avec vous l'odeur, oh là là, c'est l'odeur du ramadan. Bon, دابا تنزيدو مطيشه كنبقاو نحركو بحال هكا باش مطيشه تخلط مع داك الشيء. ولو كان نقدر نبارطاجي معكم الريحه ديالها. بون الريحه د رمضان ما فريمون سي 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 بون سي. المهم اللي غتجربوها غادي تقولوا لي. دونك فوالا غنخليوها كتغلي
On va la laisser pour bouillir un petit peu. Et après, on va partager. Je vais faire ma petite partie sur la petite cocotte. Et le reste pour la famille dans la grande cocotte. Eux avec la farine, moi avec la farine d'amande avec le psyllium. Donc on va fermer. Ben, on va pas fermer, on va seulement mettre le couvercle sans fermer, sans faire je sais pas comment on l'appelle, le sifflet ou quoi que ce soit. Et on va attendre encore à peu près 20 à 30 minutes. Bon voilà, on a partagé la soupe en deux cocottes ou deux marmites, voilà. Ici, on va faire pour les gens qui ont un régime normal. Et là, c'est pour moi, c'est pour le régime keto. Donc, on va allumer le feu. D'accord. Donc, voilà. On va la mettre là. Et on va allumer aussi celle-là. Voilà. Et on va la mettre là. Donc, voilà notre notre farine avec de l'eau. Donc voilà, on va prendre un passoir, on va mettre notre farine là. Voilà, pour que ça passe pas ça. Voilà, c'est bon. Voilà. Et on va bien mélanger et la laisser sur le feu. Donc la même chose pour la farine d'amande avec le psyllium. Voilà, on va pas mettre le tout, on va mettre un tout petit peu. Voilà. Donc soit on a deux louches pour faire tourner, voilà, soit on va la passer ici dans l'eau, comme ça on n'a pas la farine qui va être dans notre soupe plutôt. Voilà, et on tourne. Donc comme je vous ai dit, on a fait le harira à la juge, d'accord. Hadi الناس العاديين درنا فيها الطحين. وهذه الناس اللي دايرين ريجيم كيتو درنا فيها طحين ديال اللوز والبسيليوم. دونك رديناهم بجوج فوق العافيه وغنخليوهم يديروا. وفوق ما كنخدم لا لوش حيت عندي غير وحده كندوزها في الماء باش سورتو نحيد منها الطحين باش ملي كندوز لهنايا ما هذا الا داز لهنا سي با زان بروبليم. داكور. دونك دابا كنخليوها فوق العافيه وكنبقاو نحركو كنخليوها معريه. داكور. وكنخليوها تغلي حتى كتبدا تطلق واحد الكشكوشه الفوق. دونك اون ليس نوتر سوب سور لو فو جوست لاسكيل كومونس ا بويير اي طول الطون اون فا لا تورني لا تورني. فوالا ici il y a pour le régime normal et c'est pour mon régime keto. دونك الحريره لا سوب الحريره سي تري تري بون pour le keto. Il est chaud en plus de ça, ça fait du bien. On peut la manger le matin avec le petit déjeuner, aussi on peut la manger le soir. Et à savoir, le harira, comme on dit dans le Maghreb, il a chrabdi le harira avec le dhor, il a chrabdi le habor. Donc, il a chrabdi le harira avec le dhor, avec le 12, il a chrabdi le dhor, il a chrabdi le dhor. ولكن هذه كيتو اللي ما فيهاش راه ما عندك ما تخاف لانها ريجيم نورمال. بالعكس كتساعدك مشبعه كتعطيك كاع داكشي اللي محتاج ليه
ولكن ما تتخلطش. بون فوالا هي الحريره الكيتو ديالنا، هذه غسالات اللي كتبقى دير هذيك الرغوه الفوق، غير كنحركوها بحال هكا. Bon, notre soupe keto ou harira keto, il est prêt, donc on ne va rien ajouter de plus. Seulement, chaque fois qu'il fait un peu de d'écume, si on peut dire, ben, c'est pour le... on va la mélanger pour que ça bouille avec la soupe. Voilà. Après, on passe notre... ici dans l'eau, on va revenir. Regardez, voilà, il va commencer à faire ça. Une fois qu'il fait ça, ça veut dire que la farine il est en train de cuire. Donc on mijote, on fait tourner comme ça pour que ça prenne. Voilà. Ben, l'odeur, je ne peux pas vous dire comment il est. C'est vraiment bon. J'aurais bien aimé que qu'on peut trouver une application pour faire passer les odeurs, mais c'est pas pour tout de suite, mais ça va y arriver peut-être. Voilà, regarde, on voit tout le pois chiche, j'adore faire ça. Donc on passe ça dans l'eau, encore une fois. Voilà, regardez celle. Voilà. Antouma, had rwa li katkoul l'fok, yam li ki kon t'hain t'ay taib, soit t'hain, soit t'hain de l'ouz. Donc, mais li ki dir haka ken harbo. Bash it mélangea, it khallat m'a l'harira diyanna. D'accord? Bash ki taib mzyan, had naklou li. Inna ma khadish l'harira naklou, t'hain ou huwa khadar. خصو فغيمون يطيب مزيان في لاسوب ديالنا، سوا طحين دلو سوا طحين العادي. فوالا كنبقاو نحركو، ملي ما كتبقاش تطلع ديك الرغوة الفوق، صافي ديك راها طابت، ديك الساعة غادي نزيدو الشعرية. دونك كونت اون نا با لو là l'écume qui remonte, ça veut dire c'est cuit. À ce moment là on ajoute du vermicelle et on tourne toujours. Il s'appelle le harira parce que on est obligé de faire tourner le harira. Harir, ça veut dire tourner. Voilà, tourner le maximum. ايوا هانت يا وفاء، انا درتها لك بلا الريجيم، درت لك ديال العاديه. ايوا تنتمنى ديريها وتقنيها وعاودي ليا الخبر. عرفتي راه سي فريمون بون. ça في الحقيقه بحال دابا الناس اللي فيهم السكر ولا في رمضان باش ما يكونش عندهم مشكل، لان الطحين كيطلع السكر، هذه معروفه. الطحين ديال اللوز راه تقريبا بحال الطحين ديالنا، وان بلوس دو سا بنين، كيجي بنين. هو والبسيليوم كيقدوا السكر في الجسم، ما كينفخوش با مال دو شوز. دونك الواحد يجربها، ما فيها باس. بان الناس السكر يقدروا يشربوا الحريره في هذا رمضان، تو سامبلومون يدوروها بالطحين ديال اللوز وبالبسيليوم. بون بور لي جون كي اون لو ديابيت، بان ايل بوف بروندر لو حريره سو رمضان. تو سكيلز اون افير سي اوتيليزي ا لا بلاس دو لا فارين بلانش، بان لا فارين داموند كومبليت افيك لو بسيليوم. Ça aide, ça ne rend pas obèse. C'est bien pour le diabète et pour le sucre. Voilà, c'est pour healthy food. Voilà.
Donc on va tourner jusqu'à ce qu'il n'y aura plus ce blanc là qui est en haut. Par contre, pour notre harira normale, elle est prête. Il n'y a plus de. Donc on va ajouter le vermicelle, comme ça, en neige, en tournant. Voilà. Et maintenant, on va baisser un petit peu le feu, voilà, et mettre le couvercle pour que ça, ça devienne plus liquide. Voilà. On va fermer un petit moment. Et c'est la même chose pour notre harira keto. Pour les gens qui ont le diabète, qui veulent faire un régime, qui ne veulent pas devenir prendre plus de poids. Voilà, c'est bon. Ça, ben je sais que c'est très bon. Voilà, on ferme. هاي الحريرة وجدت الفرق الوحيد اللي بينها هو هذه شوية بيضة العشاء ديالي هو اليوم الحريرة والكروفيت في الماء والحريرة بور ما فامي شوية حمراء وفيها الشعرية ولكن بجوجهم الداد وسي تري بون وكتسخن سورتو كتسخن بون لي دو سوب ils sont prêts الحريرة celui là qui est normal. Bon, pour les gens qui ne font pas de régime, il est un peu rouge avec vermicelle. Et pour moi, donc il est un peu blanche sans vermicelle. Et bien sûr, mon dîner, c'est harira avec crevettes à l'eau. Voilà. Merci et bon appétit!